J'aimerais dire que cette dame qui est cardiologue est aussi pasteur. Et que c'est au carrefour des problèmes pastoraux qu'elle a été contrainte à aller apprendre au sujet de la sexologie. Ce n'est pas une simple curiosité. Gloire à Dieu. Donc, sœur Babatoune, nous te regardons. Tous ceux qui sont derrière, soyez assez concentrés, parce que cet aspect-là, c'est un bon aspect. Cet aspect-là délivre beaucoup. Alléluia. Je venais de me marier et dans la fougue du jeune marié, vraiment, c'était compliqué. Un jour, ma femme a dû dire, « Mais c'est quoi? Tu m'as marié que pour faire ça ou quoi ?» Vous comprenez qu'après Marc Elie, Daniel, 3 mois plus tard, était en route. Donc, vous comprenez sa question. Donc, écoutez très bien, frère. Nous sommes déjà très avancés. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Je me représente. Je suis la sœur Carole Babatoundé. Je suis médecin de formation. Je suis effectivement cardiologue. Et comme maman Colette l'a dit, il y a quelques années en arrière, dans la gestion des semeurs, par la grâce de Dieu, nous a bénis avec beaucoup de mariages. Et au contact des frères, des semeurs mariés, des dossiers à gérer, des questions qui se soulevaient, qui revenaient, je me suis sentie obligée de faire quelque chose, de ne pas bricoler, parce qu'il fallait que je donne quelque chose, il fallait que j'aide, il fallait que je rende ministère pour sauver certains couples. Donc c'est une formation médicale qui existe. Ce n'est pas pour les gynécologues, ce n'est pas... Un médecin généraliste peut le faire. Donc ce n'est pas figé. Elle est ouverte à tous les médecins. Et bientôt, je vais vous présenter le diplôme, le certificat de sexologue. Pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son œuvre au milieu de nous. Alléluia. Je vais commencer par une introduction. Je ne dirais pas que je n'ai pas cherché loin. Nous avons de la ressource, nous avons de la richesse. Je vais lire quelque chose dans un de nos livres, Jouir de la vie conjugale, que je voudrais vivement recommander. Je souhaite que tu partes avec ta copie, si c'est possible. Parce que ça résume tous les conflits, toutes les crises par lesquelles un couple peut passer avec des solutions proposées selon le conseil de Dieu. Comme on nous l'a dit hier, il faut avoir le conseil de Dieu. Ça ne doit pas être la famille qui vient gérer les conflits, qui vient nous aider à sortir des difficultés. Mais nous devons savoir qu'est-ce que Dieu dit. Comment est-ce qu'on peut gérer telle ou telle crise? Alléluia. Tenter de minimiser l'importance du sexe dans le mariage n'est pas juste. Le sexe est très important dans le mariage. J'ai conseillé plusieurs couples. Je puis dire en toute honnêteté qu'un mariage qui échoue dans le lit va certainement échouer dans un sens plus large. Le mariage qui réussit dans le lit a de bonnes chances de réussir en général. Amen. C'est mon introduction. C'est le professeur Zacharia Stanefomou. C'est extrait de son livre « Jouir de la vie conjugale ». Il y a tout un chapitre sur les questions sexuelles dans ce livre. On ne pourra pas le développer. Mais il faut tout faire pour avoir ce livre. Il est disponible à la librairie. Il est disponible ici sur le site. Tu peux l'avoir. Et je te le conseille vivement. Un cadeau pour la retraite. C'est 2500 francs. Cette question a été tellement à l'ordre du jour au niveau mondial qu'en 2011, pour les statistiques les plus récentes que nous avons eues, il y a une étude qui a porté sur 8 pays
d'Europe, des États-Unis et du Canada. L'Afrique, malheureusement, nous n'avons pas, on n'a pas eu le privilège d'être compté dans l'échantillonnage. Donc, il y a eu 8000 femmes environ qui ont été sélectionnées dans ces pays-là et qui ont été soumises à un questionnaire pour comprendre cette affaire de sexualité. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que la vérité, c'est que le principal enjeu dans la vie sexuelle, c'est la femme. Les hommes n'ont pas, a priori, les hommes n'ont pas beaucoup de problèmes au niveau sexuel. On parlera, quelqu'un parlait des préliminaires. Que ce soit pour la question de la jouissance sexuelle, les hommes, ce n'est pas compliqué. Quand tu vas regarder une femme passer, une femme bien habillée, une femme nue, déjà, ses sens sont excités. Mais une femme, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le fait de te voir. Tu peux être beau comme un ange. Ce n'est pas ça qui va principalement exciter ses sens. Il y a tout un travail de fond qui peut prendre du temps pour qu'elle arrive à la jouissance sexuelle. Donc, pour les femmes, c'est reconnu que les femmes, c'est tout un dossier. Donc, chers frères, vous avez du pain sur la planche. Amen. Donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Je donne quelques chiffres pour qu'on soit, on comprenne ensemble l'enjeu et qu'on peut étendre ça à nous, parce qu'on n'a pas fait d'études en Afrique, mais nous pouvons à partir d'ici évaluer. D'autant plus que l'Afrique encore, c'est un autre, ce sera plus compliqué pour nous parce qu'on a beaucoup de tabous. Ce sont des domaines qu'on aborde difficilement. Ce sont des questions qu'on traite difficilement. Même au sein d'un couple, rare, il n'y a pas beaucoup de couples qui en parlent, bien que ce soit une question cruciale. Donc, une femme sur 10 n'a jamais atteint l'orgasme, c'est-à-dire la jouissance sexuelle, au sein de son couple. C'est le résultat. Je vous lis juste quelques résultats pour qu'on ait des chiffres pour nous interpeller et pour nous montrer de quoi il est question. 2 femmes sur 10 n'en ont pas connu depuis 1 an. Dont 12 mois, tu es dans un foyer. Depuis 1 an, il y a eu 2 femmes sur 10 qui n'avaient pas connu d'orgasme, c'est-à-dire le plaisir sexuel. C'est-à-dire que tu couches avec elle, tu finis. Bon, c'est fini. Tu as fini, chérie. Ok, d'accord, merci. C'est bon. On passe à autre chose. Une femme sur 2 reconnaît avoir simulé l'orgasme. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de bruit dans le lit pour te faire croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y avait rien. 1 femme sur 2. 65% des couples, donc sur 10 couples, 6 environ, 6 couples atteignent, bien heureusement, l'orgasme. Quand ils arrivent à atteindre l'orgasme, la plupart des couples arrivent à atteindre l'orgasme au même moment, c'est-à-dire le plaisir sexuel au même moment. À partir de ces chiffres, nous allons revenir sur la grande question, c'est quoi la sexologie. La sexologie étudie tous les troubles qui sont en rapport avec la sexualité. Ce ne sont pas seulement les maladies, mais c'est également quelle est la conduite à tenir pour avoir une vie sexuelle épanouie au sein d'un couple. Je l'ajoute pour nous, mais à l'école, ce n'est pas ce qu'on dit. Parce que pour eux, même avec une prostituée, c'est la sexualité. Mais pour nous, nous ne parlons de sexualité que dans le cadre d'un couple qui est légalement marié selon les règles de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui entoure cette grande question-là? Ces troubles, ce comportement qu'on doit avoir au sein dans le couple pour avoir une vie sexuelle épanouie. La sexualité, ce n'est pas d'abord le fait d'aller de coucher avec son épouse. La sexualité commence d'abord par une vie, par une intimité, par une relation. Le sexe, ce n'est pas « je couche avec toi ». Certains couples peuvent aller ensemble une fois dans la semaine, mais pas parce qu'ils ont des conflits, mais parce que dans leur intimité, ce n'est pas forcément, la résultante. Il y a des divergences, des personnalités différentes. Il y a certaines personnes qui sont froides, certaines qui sont très, très chaudes. Il y a des personnes qui sont, une fois dans le mois, c'est bon pour moi. Certains, c'est une fois par semaine, c'est bon pour moi. Il y en a, c'est 3 fois dans la journée, c'est bon pour moi. Il y en a, c'est une fois par trimestre, c'est bon pour moi. Et ce facteur va évoluer en fonction de certaines conditions. Par exemple, l'âge. Une femme qui entre dans la ménopause,
pour celles qui sont ménopausées, elles verront qu'elles n'ont pratiquement plus de plaisir sexuel. C'est-à-dire ton mari devient comme ton frère en Christ. Pas parce que tu as un problème avec lui, mais tu ne ressens plus de plaisir, tu ne ressens plus de désir même. Ça diminue, ça devient rare. Cette envie, ce désir d'aller avec ton mari. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, on parle de il n'y a pas de rupture chez eux. C'est les femmes qui ont des ruptures. Dieu nous a créés tellement spécifiques et tellement complexes, mais tellement bien créés aussi, que donc la femme, elle a la ménopause. Cette ménopause-là va mettre une petite barre. Donc je fais un clin d'œil à toutes les sœurs. J'ai dit souvent à certaines sœurs, pendant que tu te fais les nitouches, tu joues, un âge arrivera où tu n'auras rien. Donc pendant que tu n'auras pas toujours envie de ton mari. À un moment donné, ça devient comme un ministère que tu rends à ton mari avec cœur joie. Et pendant que tu as toutes les possessions, toutes tes facultés, pendant que tu es dans la bonne tranche d'âge, pas la bonne tranche, avant d'atteindre la ménopause, rends-toi disponible. Alléluia. Alléluia. Rends-toi disponible. C'est un ministère. Mais comme on a dit, la sexualité, ce n'est pas le fait d'aller coucher ensemble. Je suis amoureuse de mon mari. J'aime le regarder. Je me sens à l'aise à côté de lui. Quand j'entends sa voix, quelque chose se réveille en moi. Quand je suis quelque part dans une réunion, je le cherche. Dès que je le vois, c'est comme si la lumière jaillit. C'est comme si du coup, il y a quelque chose, un aura qui s'est dessiné dans la salle. Ça ne veut pas dire que je veux coucher avec lui, mais il y a une attraction, une relation qui s'est tissée, une intimité qui est née. Et c'est facilement, ce serait plus facile pour nous d'aller ensemble, d'avoir une relation maintenant sexuelle, qui est la conséquence d'une intimité qui n'était pas au début sexuelle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, bien-aimé, quand je commence la journée avec beaucoup de remarques négatives, depuis là, tu fais quoi? Tu n'as pas fait ci, tu devais aller ici, tu n'es pas allé là-bas. Avec une série de remontrances, je commence la journée comme ça. Et puis le soir, tu t'attends à trouver quelqu'un qui va t'accueillir les bras ouverts, avec une coiffure, oh là là, une tenue très sexy. Ce sera difficile. Il y a un patient qui disait, faut arrêter de porter les tricots. Quand on arrive dans la chambre là, arrêtez de porter les tricots jusqu'à... Pourquoi si tôt? Vous voyez les tricots des funérailles là, non? Arrête de porter les tricots. Pourquoi si tôt? Dès que quand je vois le tricot là, ça me casse. Avec que toutes les tentatives pour aller vers toi, je suis déjà glacée. Tu portes un boubou qui n'a pas de forme. Tu mets un bonnet du troisième, du quatrième âge ou bien du siècle passé avec des petits, entre nous on se comprend, non, des petits trous. Avec un parfum, bon, mais peut-être même pas de parfum. Et tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose. C'est une éducation. La sexualité, ce n'est pas le fait de, c'est la conséquence. Je voudrais vraiment insister sur le fait que la relation sexuelle, c'est la conséquence, c'est la finalité, c'est le sommet d'une relation. On ne sait pas, on dit relation sexuelle. On ne tombe pas sur quelqu'un pour dire je veux coucher avec toi. Ou bien après avoir fait plein de choses, tu viens et puis aussi on parle de l'aspect physique. Et puis tu commences à toucher la personne, tu espères avoir une bonne réponse. Donc la communication fait partie de la sexualité. Je ne cause pas avec mon partenaire, avec mon conjoint. Je n'échange pas avec lui. Ce serait difficile qu'on ait une vie sexuelle épanouie. Parce que même pour coucher avec quelqu'un, il faut qu'il dise que chérie, attends. Chérie, merci. Chérie, non, ne fais pas ça, fais ça. Mais s'il n'y a pas de causerie, ce sera comme merci. Jacob et Léa, toute la nuit, le gars n'a même pas su que c'était même pas sa femme. Il l'a fait comment? Comment il a fait? Ils se sont arrangés comment? Et en Afrique, on est très fort dedans. Malheureusement. Et c'est pourquoi on n'atteint pas, les femmes ne vont pas atteindre l'orgasme parce que tu t'es jeté sur elles, tu es entré, il y a eu pénétration, gloire à Dieu, tu as joui, gloire à Dieu.
Mais est-ce que ta femme a été satisfaite? Dans la communication, on va s'amener à se juger. Mon mari et moi, parfois, tu me donnes combien? Chacun se note. Ne te leurre pas la face parce que tu fais un cabri mort sur le lit et puis tu espères qu'on te donne un 10 sur 10. Il y a un challenge là, c'est un match qui se joue. Il y a match. Et ce match-là, c'est toi et moi. Chacun donne le meilleur de lui-même parce que on s'est marié pourquoi? C'est vrai que ce n'est pas pour ça. Mais ça fait partie de l'expression de notre amour l'un pour l'autre. Si on échoue là, on fait quoi? Donc dans ce match-là, chacun vient en se disant, je dois donner le meilleur de moi-même. Je dois donner le meilleur de moi-même. La meilleure tenue. Sœur, il faut avoir ta petite tenue de chambre. Ton petit secret. Pas les gros, les grosses culottes là. Avec un gros tricot ample comme ça là. Tu mets ça sur toi et puis tu viens te coucher. De temps en temps, tu crées quelque chose sur le lit. Tu crées une décoration. Quand il rentre dans la chambre là, il sait que quelqu'un est passé par là. Il y a une touche. C'est tout ça là, c'est la sexualité. Mais ce n'est pas parce que tu veux forcément coucher. Mais si tu crées un cadre, une romance, un alcôve, un jardin de rêve. Comme cet environnement. Tu peux créer ça chez toi. Pas parce qu'il y a un mariage ou parce qu'il y a une cérémonie. Tu peux créer ça à la maison. Tu décides que je vais créer une ambiance de fête, de romance ici. Pourquoi? Parce que nous sommes mariés, mais on n'est pas condamnés à rester l'un avec l'autre. Ton mari peut regarder ailleurs. Même en Christ, tu peux pousser ton mari à l'adultère. Tu peux pousser ta femme à l'adultère parce que tu as manqué d'être un amoureux qui continue de chercher, qui s'évertue à être non seulement disponible, mais à relever les challenges. Quand une femme va écouter dans une conversation, j'ai atteint l'orgasme, elle va dire, attends, on va parler de quoi? De quoi s'agit-il? Et puis elle a 5 ans, 6 ans de mariage, elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Quand nous sommes mariés, je suis allée... J'ai fait une longue lettre aux parents. Je leur ai dit, je suis une femme, je suis nulle. Je ne sers à rien. Parce que je me rends compte que je n'arrive pas. En fait, ce livre, je l'avais déjà lu avant de me marier. Juif de la vie conjugale. C'était un livre dont je savais, il y avait beaucoup de vérités qui m'avaient déjà habité en tant que jeune fille. Donc, je savais que quand tu vas dans le mariage, ce n'est pas pour aller faire ce que tu veux. En dehors des autres aspects, sur le plan sexuel, j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de retenues. Sur le plan sexuel, j'avais beaucoup d'appréhension. Mais quand j'avais lu ce livre, ça m'avait déjà condamné. Je savais que tu ne vas pas pour te faire plaisir, pour dire non, non. C'est toujours toi qui dis non. Tu deviens la spécialité du non, non, non. Je partais pour rendre ministère à quelqu'un. Même le jour où ça ne va pas, que je ne peux pas, je dois trouver les moyens pour que ça aille. Donc après avoir donc lu ce livre-là, quand nous sommes mariés et que j'ai vu que je ne comprenais pas cette affaire d'orgasme, je ne comprenais pas. À la limite même, les rapports sexuels me dégoûtaient. C'était un calvaire pour moi. Quand on arrive à la maison comme ça, le pasteur Meunier nous avait enfermés pendant une semaine. C'est un père. En fait, papa et maman... Pasteur Meunier, maman Colette, ce sont des parents. Quand nous sommes mariés, puisque nous ne connaissions pas, j'étais vierge, il était vierge également. Donc ils nous ont expliqué, papa avait voyagé, il a envoyé maman en mission à la maison. Donc elle est venue à la maison nous faire cours. Donc elle est venue, elle explique, j'ai dit je ne comprends pas, elle explique encore. J'ai dit mais c'est compliqué, c'est trop difficile. Elle dit mais tu vas faire comment? C'est ton mari. Il va aller où? Il va aller chez qui? Il va prendre une deuxième femme. Dans le monde, ils savent comment se débrouiller, mais tu fais comment? Il y avait une question qui était posée, il y avait un challenge que j'avais à relever. C'est mon mari. Tu étais fière d'être mariée, non? Mais il faut assumer. Donc, il faut donc te fortifier et il faut apprendre. Donc, je réalise que je n'arrive pas. C'est ce plaisir-là, je n'arrive pas à atteindre ça. J'ai beaucoup de... J'ai la pudeur, la honte, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas faire ci, je suis mal à l'aise.
Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse dans cette lettre, je leur dis vrai. J'ai dit à maman Colette, je suis désolée pour moi-même, je suis désolée pour mon mari, parce que je suis nulle. Je suis aussi, elle est non seulement nulle dans la gestion de la maison, parce que j'avais beaucoup de difficultés à gérer la maison, les études, mais je suis nulle au lit. Je ne sais pas comment Dieu va m'aider, mais je suis nulle. Ça m'avait j'avais fait une crise de dépression à cette époque-là, juste à cause de ça. En fait, pas juste à cause, comme on a dit, quand ça échoue au lit, ça a déjà échoué. Donc, c'est un point capital. Mais le Seigneur nous a aidés. Dans le livre, le frère Zach dit, priez ensemble. Quand vous avez des difficultés sur le plan sexuel, priez ensemble. Donc, on a commencé, on avait une nuit de prière. Quand on s'est marié, les mardis, on veillait ensemble pour prier. Lundi ou mardi. Et ça faisait partie, on se tenait par la main et puis on priait pour notre vie sexuelle. Que Dieu nous accorde la grâce de nous fondre et d'atteindre le plaisir. Non pas seulement chacun de son côté, mais ensemble. Et d'être toujours disponible l'un pour l'autre. On a prié comme ça plusieurs reprises jusqu'à ce que Dieu fasse des déclics. Et que je sois délivrée. Et que j'atteigne l'orgasme pour la première fois. Alléluia. Qu'est-ce que je dois encore dire? J'ai parlé de la tenue. J'ai parlé de l'aspect physique. La propreté. Il faut avoir un petit parfum spécial. Pas le parfum avec lequel tu sors tous les jours. Il faut qu'il y ait un parfum quand il ou elle sent ce parfum-là. Il sait que c'est pour lui. Ce n'est pas le parfum des réunions. Ce n'est pas le parfum pour aller au travail. Le frère Zach disait une fois, et cette phrase m'a marqué à une de nos conventions, à Yamsokro, il disait, si tu te fais belle seulement quand tu sors de la maison, tu es une adultère. Si ton mari doit seulement te voir coiffé le jour où tu sors, tu vas au travail, ou bien quand tu sors de la maison pour aller quelque part, tu es une adultère. Cette phrase, je n'étais pas encore mariée. Cette phrase aussi est rentrée en moi et elle s'est assise en moi. Et comme je disais hier, c'est une tenue. Il y a des jours où je me sape juste pour qu'il me voie, pour qu'il sache que je suis toujours sa bien-aimée. Gloire à Dieu. Certains troubles de la sexualité peuvent être consécutifs à une maladie. C'est très important de le savoir aussi. On peut faire les préliminaires, faire tout ce qui doit être fait, et tu n'atteins pas l'orgasme parce qu'il y a une affection. Donc, il convient de consulter. Le diabète peut donner des troubles chez les hommes, ça donne l'impuissance sexuelle. L'hypertension également donne l'impuissance sexuelle. On a certains médicaments qu'on prend qui peuvent réduire ta sensibilité, tu n'as plus de désir. Mais tu peux donc dater, tu peux dire que non, depuis un mois, je sens que je ne suis plus la même personne. Mon mari a du mal à m'exciter ou alors moi-même, je n'éprouve le plaisir que j'éprouvais, je ne l'éprouve plus autant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit, qui date de... On peut savoir que ça a commencé depuis telle période. Donc, sur le plan de la santé, est-ce que je me porte bien? Je peux couvrir une maladie que j'ignore. C'est pourquoi il faut faire des tests de dépistage. Enfin, pas dépistage. Oui, il faut faire ta glycémie pour voir. Mais mieux même, il faut rencontrer un médecin. Il faut vérifier. Si la tension a tendance à monter, tu prends des médicaments, il y a des médicaments qui le font. Il y a des médicaments qu'on peut gérer. Il y a des médicaments qu'on peut te donner pour booster ta sexualité. Mais avant de les prendre, il y a des contre-indications. Vous connaissez l'histoire de... Comment on l'appelle ça? Camax? Viagra? Certains sont morts sur le lit après avoir pris le Viagra. Parce qu'il y a des contre-indications. C'est un médicament. Même s'il booste la sexualité, même s'il réveille ta libido, il y a des contre-indications. Il faut d'abord faire un électrocardiogramme. Il faut être sûr que ton cœur peut supporter parce que faire l'amour, c'est une activité physique qui est quantifiée en médecine. On peut te dire combien de calories tu dépenses quand tu couches avec un homme ou une femme. Donc, c'est une activité physique qui demande que ton cœur soit en forme. Donc, si tu prends ce genre de médicaments, rassure-toi que tu as vu un médecin qui te l'a recommandé et qui t'a fait faire des examens.
Donc, on a vu, il y a des maladies qui peuvent donner des troubles de la sexualité. Il y a des médicaments qui peuvent le faire aussi. Il y a des conflits. Bon, on a parlé plus haut de ça, des conflits dans le couple, la communication qui est défaillante. On ne parle pas, je ne te parle pas de... Pas forcément de cet aspect-là. Mais la femme peut avoir un problème. Elle veut s'exprimer, mais pas s'exprimer. Le fait que ses émotions soient étouffées, elle ne peut pas s'ouvrir. C'est le même cœur qui fait couler toutes ses émotions. Donc si je suis je suis enfermée quelque part, je ne pourrais pas couler de ce côté. Donc il faut trouver un terrain, comme on est en train de le voir dans cette retraite. Installer une bonne communication au sein du couple pour que les dossiers soient gérés au jour le jour, autant que faire se peut. Que ce soit les enfants, le travail, le budget familial, la famille, la belle famille, ou même l'attitude l'un vis-à-vis de l'autre. J'ai pas aimé telle attitude, j'ai pas aimé. On se pardonne rapidement, puis on avance. On ne laisse pas le soleil se coucher sur notre colère. On accepte de pardonner, de passer l'éponge. On pardonne, on passe l'éponge. Alléluia. Et l'autre aspect qui peut donner des troubles de la sexualité, c'est les antécédents de la personne, que ce soit le conjoint ou la conjointe. Il y a des personnes qui ont été, par exemple, violées, des femmes qui ont été violées. Tu ne peux pas la gérer comme une femme qui n'a pas été violée. Il faut tenir compte de ton passé pour la reconquérir d'abord, pour en faire une femme. C'est-à-dire que tu as un double travail. Pour la mener d'abord à accepter, parce que ces personnes ont tendance à se haïr. Il faut d'abord l'aider à traverser victorieusement, à sortir de cette crise qu'elle a traversée. Qui l'a traversé, parce que même les hommes, certains ont été victimes de pédophilie dans l'enfance. Ils grandissent, ils peuvent développer cette tendance, et dans le couple, ils veulent des relations par l'anus. Nous allons en parler de la bouche. Parfois, il faut revenir sur l'histoire. Mais si on ne cause pas, comment est-ce qu'on revient? On en parlera. Et parlant de la parenthèse sur les relations sexuelles contre nature, dont parle la Bible. La bouche a été faite pour manger et pour parler. Dans les préliminaires, il est important que tu connaisses qui est ton partenaire, qui est ton conjoint. Parce que chacun de nous a ce qu'on appelle des zones érogènes, qui sont médicalement reconnues. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être ses oreilles. Tu peux attraper quelqu'un par la hanche et tu déclenches son plaisir. C'est pourquoi il faut savoir où attraper les gens. Il ne faut pas attraper les gens n'importe où, n'importe comment. Tu peux créer un problème que tu ne peux pas résoudre. Alléluia. Les brebis nous sont parfois très attachantes. Mais parfois, dans notre zèle, Dieu nous aide. Mais quand nous connaissons ces choses, il nous faut être prudents. Mais chacun doit savoir. C'est pourquoi je dis la communication. Il peut te dire que non, ne fais pas ça, fais plutôt ci, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais si toi tu es carré dans ta tête, ou bien à cause des antécédents, il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas entendre. Le frère qui est passé a dit quoi? Il y a du personnel là. Il y a du monde au balcon. Frère bien-aimé, la science montre que une femme, en fait, au cours des rapports sexuels, oui, une femme qui n'a pas connu des attouchements au niveau des seins a plus de chances de développer un cancer. Est-ce qu'on se suit? Donc ce n'est pas un accident. Dieu a donné les seins aux femmes comme une partie, une zone érogène. Donc si tu ne le fais pas, il y a des femmes, rien que les seins vont les aider à avoir l'orgasme. Mais non, toi, en évitant les seins, elle sera parmi ce pourcentage de femmes qui ne connaîtra jamais cet aspect du plaisir sexuel. Et il faut toucher. Avec les mains, avec la bouche.
Tu ne sais pas si c'est ça son point sensible. Comment le sauras-tu si tu ne fais pas? Ou bien tu veux être le seul à arriver au septième ciel. Amène-le aussi au septième ciel. Vous allez arriver là-bas, vous allez découvrir ce qui se passe là-bas. Elle aura une histoire à raconter aussi. Il y a également le fait de rétrograder dans sa communion avec le Seigneur. La sexualité, c'est une question de relation. Relation avec mon conjoint, mais au point de départ, relation avec le Seigneur, avec Dieu. Quand ça ne va pas, tout t'énerve. C'est-à-dire même l'homme pour qui tu, quand tu le voyais, c'était comme un pommier au milieu des épines. Du coup, c'est lui qui devient l'épine parmi les pommiers. Parce que ton cœur a viré. Dieu n'est plus sur le trône de ton cœur. Jésus n'est plus sur le trône de ton cœur. Tu as commencé à passer à côté. Tu n'auras plus la même attraction parce que si ce n'est pas Dieu qui vous a unis, alors on peut se permettre de regarder ailleurs. Mais si c'est Dieu qui nous a unis, ça veut dire que c'est en Dieu qu'on va trouver du plaisir l'un dans l'autre. Et même certains ont essayé. Je vous dis la vérité. Faites un test, vous allez voir. Quand vous n'allez pas bien spirituellement, vous allez ensemble, là, c'est fade. C'est une corvée. C'est-à-dire, c'est comme si on va donner des devoirs de maison compliqués. Puis pour trouver l'équation, c'est compliqué. C'est parce qu'on n'est pas, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas parce que tu es là. Mais avec Dieu, ça ne va pas. Celui qui libère les émotions, le déclic, c'est toute une. On n'a pas le temps de développer ce qui se passe dans le cerveau. C'est une. Dans le cerveau, il y a des phénomènes qui se passent que la science a étudié. Vous savez que les Blancs, ils sont bizarres. Ils ont fait des études. Ils ont mis des femmes à l'IRM pendant qu'elles ont l'orgasme pour voir ce qui se passe dans la tête. Vous comprenez un peu où ils sont, jusqu'où ils sont allés? Donc, c'est un phénomène qui est scientifiquement étudié, parce qu'il est à l'origine de plusieurs frictions, crises dans les couples. Donc, est-ce que je me porte bien spirituellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé à rivaliser Jésus? Ça peut être le travail, ça peut être même les enfants. Je n'ai pas le temps, les enfants. Je n'ai plus le temps. Donc, la relation avec Dieu, nous devons veiller dessus. Donc, si tu veux avoir une vie sexuelle épanouie avec ton épouse, il faut veiller sur sa communion avec le Seigneur. Ne sois pas juste préoccupé de savoir qu'elle est belle pour toi. Elle pourrait être belle pour toi, mais tu n'auras pas de plaisir. Pas le plaisir que Dieu voudrait que tu aies, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a le trépied là qui n'a pas été... Les trois pieds là, Dieu, l'homme, la femme. Il y a un trépied, il y a un pied de la table qui manque. Donc, vous allez essayer. Et c'est pourquoi beaucoup de couples, en fait, pas parmi nous, c'est pourquoi dans le monde, les gens ont développé beaucoup de stratégies. Ils vont par l'anus, ils vont par la bouche, ils font de la fellation, ils font plein de pratiques bizarres. Ce n'était pas nécessaire. Et cette même étude qui a été faite en 2011 montre que le plaisir que les gens ont, parce que c'est la vérité, le plaisir par ces autres pratiques-là n'équivaut pas le plaisir de la relation normale que Dieu a instituée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc Dieu est sage. Ne sois pas tenté d'aller regarder ce qui se passe dans l'anus. Ne sois pas tenté d'aller essayer de voir avec ta bouche ce qui se passe devant. Non. Ne sois pas tenté. Parce que non seulement c'est une porte ouverte pour les mauvais esprits, mais tu n'auras pas de plaisir dedans. Parce que même les païens ont fait les études, on n'a pas de plaisir dedans. Ce n'est pas parce que Dieu avait prévu. Donc nous restons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Et il y a certaines pratiques, on est sensible à Dieu dans notre communion avec le Seigneur. Il y a une chose que vous pouvez faire et puis dire que non. Il y a eu des fois où on m'a dit que cette chose-ci, on va arrêter de faire ça parce que je n'ai pas de paix. On arrête. Jusqu'à ce qu'il y ait la paix, jusqu'à ce qu'il y ait le repos. Parce qu'il ne faut pas violer la conscience de l'autre pour faire une chose. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dois pas violer la conscience de mon frère ou de mon époux, de mon épouse parce que je veux forcément du plaisir. Non. Ce serait briser la relation. Il faut respecter l'autre. Il faut respecter sa volonté. Je ne veux pas si... Ok, on va pas faire ça. Et Dieu vous aidera à trouver ce qu'il convient de faire jusqu'à ce que, si c'est là, selon la loi de Dieu, mais dans l'échange, non, voici, on peut la bannir parce que c'est une qui est contre nature
ou alors on peut décider. Ça peut être une chose légitime, comme pour les saints, mais le mari dit que moi, je ne veux pas. Ok, on va pas, ça va devenir une troisième guerre mondiale. On va trouver un terrain d'entente. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avant de conclure mon propos, je vais aborder la sexualité après l'accouchement. Beaucoup de femmes ont des difficultés à aller avec leur mari après l'accouchement. C'est normal. Il y a des douleurs, parfois il y a des saignements. La médecine recommande 40 jours, 45 jours. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce que l'utérus est ouvert et c'est pour permettre, c'est pour éviter que la femme fasse des infections. Elle est comme un boulevard à l'intérieur. Dans le temps que l'utérus se referme et qu'elle n'ait pas d'infection, c'est pourquoi c'est recommandé ainsi. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme on l'a dit, la communication dans le couple est très importante. Si elle a mal, est-ce que j'ai réussi dans mes préliminaires? Est-ce que je suis pressée? Et quand ça ne marche pas, il y a des lubrifiants qui existent. Quand la femme est sèche, il y a des lubrifiants qui existent en pharmacie, des gels intimes qui existent en pharmacie, qui peuvent nous aider. Et je veux nous encourager, c'est une chose que je fais habituellement avec les jeunes couples. Parfois, nous avons, avec le salut, on a beaucoup de jeunes filles, de jeunes gens qui ne se connaissent pas avant le mariage. Si vous avez des disciples qui ne se connaissent, qui n'ont pas connu d'homme ou de femme, aidez-les pour la première nuit, parce que généralement, l'homme n'est pas très patient la première nuit. Il est déchaîné. Donc, il faut aider la sœur. Il veut rompre le jeûne. Donc, il faut aider, aidons nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, en leur expliquant ce qui se passe et en leur donnant ce gel. Et en conseillant également les frères. Parce que pour lui, il a du plaisir, il pense qu'elle aussi, elle a du plaisir. Et on a des couples après, c'est difficile. Il faut maintenant reprendre à zéro. Parce qu'elle te dit que la nuit, là, tu m'as traumatisé, donc c'est fini. On se retrouve 5 mois plus tard à demander pardon. C'est-à-dire que, tu vois, non, il faut recommencer. Donc, exerçons-nous dans cette éducation-là de nos petits frères. Mais pour les femmes, après l'accouchement, il faut te référer au gynécologue. Nous sommes disponibles. S'il y a d'autres questions par rapport à la santé, nous sommes ouverts. Nous pouvons vous aider, nous voulons vous aider à ce niveau-là, parce que ce n'est pas, on peut pas en débattre ici. Mais si tu as une question par rapport à la santé, il faut venir, on va voir comment. Je vous donne mon numéro. Tu me laisses un message, s'il te plaît. 07 deux fois 27 67 16. Je reprends. Le 07 deux fois 27 67 16. Ça peut être pour toi, ça peut être pour une brebis. Mais je te supplie, envoie un message parce que parfois, le téléphone, les appels, c'est parfois difficile pour moi de décrocher. Mais si tu m'envoies un message, je le verrai forcément. Tu te présentes et on va trouver comment se voir et comment on va organiser ça pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Que Dieu nous bénisse.